Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de l'histoire principale de cette deuxième extension de GTA 4. On se retrouve pour aller faire les missions de Bulgarine, en tout cas c'est la première mission de cet épisode. J'ai de mon côté juste été chercher une nouvelle voiture et récupérer un gilet pare-balles, puisqu'on était un petit peu amoché après la dernière mission qu'on avait effectuée dans l'épisode précédent. Et donc là on est parti pour faire l'avant-dernier épisode. Il ne reste plus grand chose en termes de missions, il nous en reste 7 exactement. Donc il y aura un épisode, il y en aura 4 et il y aura un épisode, il y en aura seulement que 3. On verra lequel c'est, ça dépendra comment les missions s'enchaînent. Et en attendant, ben, moi je vous laisse avec la cinématique, je me tais. Yo, Mr. Bulgari here? Hey. If he does want to sell, I want to buy. How much did you offer the last time? Double it. Offer 20 million, and then we see if it is not for sale. If this painting is not hanging on my wall, your head will be. Okay? Think about that. You want I should pay visit to his children at their school? Not yet. I think there's always a price in this city. Oh, Louis, excuse us. We've been rude. Don't worry about it, man. I like the setup here. These guitars are all collector's items. Celebrity rock memorabilia. Okay, man, good for you. Got a nice place here, Mr. B. That is a piece of shit. I bought it for my sister. Hey, you bring me to this fucking country and you keep me in an ugly cage. No one on TV lives in fucking Duke. Then you come and move all my stuff into hallway and fill place with fucking guitars. Shut up, bitch. Take your pills. A friend of mine is here. Ha! You don't have any friends. You don't even have a business here. You are nothing in this My country. Sister. She's still getting adjusted. We all are. So how can I help you? Fuck you, Ray. You have ruined my life. Yes! Yes! A difficult situation. It seems I'm being investigated by the National Office of Security Enforcement. There is a particular unit that has a hard-on for me. And why? Because Markashvili won Selma the Rampage. You'll get rid of them. I will own this fucking team. Hey, the problem ain't just gonna disappear over here if we kill some crooked cops. Leave the strategizing to me. If the money tells you to cut your fucking legs off, you'll do it. Because the money is better than a fucking leg. The money is making the plans. That's the American way. All right, man. Thank you. I like you. I make you rich. I make you man. Maybe I'll make you a man with one leg, but I'll make you a rich man with one leg. There is this team tracing a coal mine. Take out the whole team. No exceptions. Okay, man, if that's what the money wants. You're a bright guy, Louis. I still like you. You made a good choice coming here. Fag man, no good. Go! Roll the bitch! Ting, 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 ting. Okay, bon. Eh bien, on va faire ça pour avoir de l'argent. Alors, calme-toi sur la musique, par contre. Voilà. Et on va au parking souterrain sur Topaz Street. C'est parti. It's good to have you with us, Louis. Yeah? Yes. It must be nice for you to get out from the under big Tony. I don't know what you're implying, bro. Tony and me are partners. I got a stake in the enterprise. A stake, sure. You still take orders from him, don't you? You clean up your shit.
Boys, it could be much more than that. Unless you enjoy working for such a man, partner, or whatever you call him. Really, bro? I don't know. When I was left to my own devices, I got locked up. At least with Tony's guidance, I ain't doing time. Perhaps, for now, perhaps. But do you think you're achieving everything you could? A man with your talents, in your condition, you could have anything you want. I didn't get to where I am without being able to see the world of man. That's real flattering, Mr. Bulgari. But whatever it is you're offering, I'm gonna have to decline. Me and Tony's is a business relationship. He gets his kicks elsewhere, but he's been a good boss to me, and a good guy. Help me out. I'm not a fucking faggot! Whatever you say, bro. What are you talking about? I was saying that I may be interested in investing in your potential. Potential as what? As a businessman, I'm looking for someone here in Liberty City with the correct relationship. I already got one employer. Like I said, he's been good to me. Of course, but what is he? He is a drug addict, a madman. You are useful to him, but you think that is all he wants from you. When some new muscle-bound pretty boy comes along, he will forget about you and your precious stake in the Tony Prince Empire. Whatever, bro. Can we talk about something else? What am I doing here? You are helping me with my business. This don't seem like legitimate business to me, man. Nothing can be achieved here in Liberty City with actual pigs rooting through my affairs. For anything to happen, they must be eliminated. Okay, man. You really can't buy these people off? Sometimes a price is more effective if paid out of lead, not gold. This is the first lesson I will give you. Okay. Hey, man, what's up? What do you mean, what's up? Where are you? Look, man, I'm taking care of some personal business. I'll come see you later, okay? I'm cracking up here, Luis. Hurry the fuck up. How long are you gonna be? I don't know, man. I gotta go. Your muster calls? Yeah, man. I see. And does he know that you are here with us? No. Interesting. I guess so. Ok, je laissais faire les dialogues hein, parce que c'était intéressant. Well placed. The bomb should prove quite a surprise for our friends. On va prendre. Things are about to get hot. Yeah, no doubt. Now, Luis, we see if you can handle yourself. Don't worry about me. I prefer we weren't taking on the National Office of Security Enforcement, but that's a different matter. Shut up. They're coming. Target sighted. Let's finish this and get payment from Ashbury. Detonate when they're near the car. Go, 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 go! In place. Detonate. Passe pas devant. Parce que là je vois rien du tout. C'est le bordel, c'est le bordel.
Il est bon. Et lui aussi. Merde, il y en a encore. Va exploser loin celle-là. Alors je pourrais utiliser les bombes. Mais je fais un peu joujou avec ça. J'en profite. Je me demande si je peux en acheter auprès d'Armando. Ça a l'air super puissant. Il y en a qui essaient de nous déborder. C'est dur de réussir à les viser avec les carcasses qui sont un peu partout. Il reste un. Ok. Courons, courons, courons. Allez, grimpez les mecs. Ok, celui-là il est bon. Maintenant, est-ce qu'on peut monter? Allez, grimpez les deux. C'est bon, vous êtes dedans. On se barre. Ok. Bon, désolé, c'est un peu cafouillé sur la sortie. Mais on récupère le véhicule, hein. Je pense que c'est peut-être le mieux. Pour se barrer assez vite d'ici. Voilà. Et on va le ramener tranquillement chez lui. Je coupe. I still have smell of meat in nose. Bro, it's true. You are one who blew them up. That unit, Lewis, a serviceable job. Most competent. How'd I get myself into this shit, man? You didn't get yourself into this? I choose you. I pick you out because I see potential in you. You're lucky to be here. Yeah, great, thanks. But if you need more cops taken out, crooked or otherwise, you ain't choosing me. Look at this. The sensitive, modern American man. You need to go home and exfoliate your wounds. May as well cut them off. What the fuck is this? I don't like killing government agents, so I ain't got no balls? Give me a break. Okay, calm down. We got no more law enforcement to expire. For now, those were the only guys Smacky had on us. You think he will sell? He has no choice but to sell. We have taken away his protection. It's that simple, is it? It should be. Smacky is a weakling. He lives here in exile, like all cowards. But he has been here for a long time, so he has bought connections that others of us have not been able to acquire. This little trip should have severed the good deals of those connections and will give others involved a pause before they continue their association. Okay. Perhaps I will buy clubs of you as well. You sell them to me? Them clubs is leveraged to the max already, man. I don't know if there's anything left to sell. I don't care about other investors. They will forget about debts if I'm involved. Some of these investors aren't the type to go away. They aren't the type to pay off either. Anyway, it's not my place to sell them. I have a stake, but Tony's got the controlling share. Of course. Tony pulls the string and the little puppet man dance for him.
Let me know when Toninex has hand up your ass and ventriloquist Dami can talk. Fuck, man. What's wrong with you? Your stake is bullshit. You think you run the club, but you are still just sick URT. You are Tony's gimp, and you won't admit it. Just not like that. This what you want to do your whole life? No, but seriously, bro. I have opportunities for you. Think about them. Okay. Think about what I said to you. The offer will not be there forever. Okay, I will. Send my regards to Big Tony. Et voilà, première mission réalisée. Ah, on a fait pas mal d'objectifs. Il manque des précisions et des tirs en pleine tête. Ah, vas-y, il manque un tir en pleine tête. Et par contre, en termes de précision, c'est pas ça. Et en termes de temps, non plus. Bon, c'est des objectifs très très différents les uns des autres. Donc, du coup, il va falloir faire plusieurs tentatives pour réussir à tous les avoir, ceux-là, mais ça peut être intéressant. Il y a du challenge qui sera présent. Alors, je vois rien avec la caméra. Pour l'instant... Pousse-toi. Pour l'instant, on n'a pas de mission, donc on va attendre un appel, quelque chose. En attendant, on va aller se préparer pour la prochaine. Bah voilà, Bulgarine, il est là. Donc, on va aller le voir, mais je vais juste reprendre... du gilet et un peu de vie aussi, voilà, c'est ça que je cherchais, de la nourriture afin de repartir sur de bonnes bases et d'être 100% opérationnel pour la prochaine mission. Donc Bulgarine, hein, qui essaye de mettre un petit peu des tensions entre Luis et Tony. Pour l'instant, Luis résiste ses insinuations et différentes offres qui lui sont proposées, mais j'imagine que cette deuxième mission ira dans le même sens. Il sera du même acabit. We sell quality weapons and we know how to use them. Alors ça, je prends. Est-ce que t'as les grosses? Les grosses mitraillettes là comme j'ai. Non. Non, non, t'as juste le M4 de base. Ouais. Malheureusement, ce sera pas plus. Donc on va retourner voir Bulgarine. J'ai pas vu d'endroit où manger, malheureusement. Pour gagner un peu de vie. J'ai fait des rages. On va tenter comme ça, hein. Je vais pas tourner 150 ans dans la ville pour trouver un endroit où manger. C'est pas non plus la catastrophe, il manque un petit peu, je pense qu'on est peut-être à 80%, quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Hey Tom, what's happening, bro? Besides my life falling apart in front of my eyes, not much is happening, bro. Someone told me they saw you driving around with some Russians. What the fuck are they? You've gone over to the dark side? Really? That's funny, man. Your friend must have been mistaken. Okay, of course. Shit, the stress is really getting to me. Calm shit down, T. And don't take it out on me. I'll be by soon. Take care of yourself. Ouais, bon, ça va pas s'arranger. C'est parti. Welcome to the party! Sit down! Sure. Can I get you anything?
A drink? Oh, something stronger, huh? I'm cool, bro. You know how to play the drums? We need a fucking drummer. I ain't your man, bro. Sorry. You Spanish have the rhythm. Give us a fucking beat, man. You don't drum, but you dance, don't you, Luis? You dance. I can dance, man, but not with you and him. That's a shame. You dance, Mr. B? Money doesn't dance. The money doesn't dance, my friend. Okay, but you need some work done. Wait, wait. Listen. Ooh, ah, this is it. This is it. Ooh. Hey, can you ask the ape to stop playing for a second? You want I should stick $50,000 guitar up your ass? No, but I got some friends I can introduce you to if that's how you get your kicks. Oh, funny guy. All right. All right. Okay. You have heard about Liberty City. Rampage. The owner still will not accept my offers. I have been more than reasonable. You mean after you killed this special team of cops? It's weird. You want me to negotiate with him? No. The time for negotiations over. Do what needs to be done in his boardroom. Send a message. Hey, I ain't a hitman, bro. I mean, I'll fight anyone, do whatever. But I ain't a contract killer. The offices are in the MeTV buildings. Getting in will not be easy. You'll have to find someone else, man. I mean, it's not my thing. I ain't qualified for that shit. I'm sorry. I wasn't discussing your career development. I was telling you what to do. Now, fuck off and go. Поехали. Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Oh non! Pas encore un hélico, bordel! On en a déjà eu assez dans l'épisode précédent! Hey, I'm sorry to break up your party, man. You look like you were having fun. Mr. Ray wanted me to keep watch on you. Make sure you do what told. Hey, I don't need no watcher. Mr. Ray think you do. Shit! You think I want to be here? Whatever. Okay. So? So fucking what? So, what's up, bro? Fuck off. Chill, man. I'm just trying to converse with you. My job is hospitality. Your job is kill Marky Ashvili for Ray Bulgarin. Dimmer, bro. I like to think I can talk to people. I try to put them at ease. Make them open up. Sure. They open up when you shoot in their head. You put people in the ground, my friend. You killer like me. That's what Bulgarin wants you to do. So that's what you do. Hospitality is for weaklings. You're hard work, bro. Fuck you! You are hard work. Don't even know what you are. Hey, I know who I am. Sure, I do bad shit, but that ain't who I'm gonna be forever. I've heard this before. Fuck off! You want me to shut up? Good. Good. Great. Total fucking silence from here on in. Donc la fin du voyage va être un petit peu tendue. Petit malaise. We've really started a movement in music and I think that last song proved fuck, bro. In the future, can we just listen to the radio on these trips? It's officially done with you. Bah, c'est pas faute d'avoir mis une radio, hein. Allez. On va pas tarder à y arriver. Total fucking silence. Ça peut durer longtemps encore comme ça. Quoi.
attendre. C'est bon? C'est bon. Ok. Bon, on a des petits points. Je vais vous indiquer où aller. Alors, où est-ce qu'il est? Parce que du coup, moi j'ai sauté, mais. Où est-ce qu'il est? Ça aurait été bien de savoir avant. Ah, c'est le building qui est là. Ah, c'est plutôt cool comme arrivée. Parfait en plus. Je crois que j'étais repéré. There is someone on roof. Find out what is up. This shit die now. Ah oui, voir ce qui se passe. C'est me tirer dessus. Et on y va. Ils sont là, hein. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être indiscret. Il y a du gilet ici. Qui m'appelle, on coupe l'appel parce que sinon ça va résonner dans le micro. Non, je croyais que c'était du soin. Celui que j'ai poussé. Mort, est-ce qu'on peut passer par là? Non. C'est vrai qu'il va falloir descendre. J'ai pris super cher. Il est bon. Why the fuck did I get involved with these Russians? I hear that. Keep me blanketed. No wasting time. You go down. I'm just here for your boss. Winky Winky, where are you at? I'm still in here cutting through his asshole. I'll tell you what I'm doing. I know. I am boring my teeth. I need you. Check t'es là.
Il est mort lui. Mais c'est quoi cette musique? Y'a pas un petit... un petit soin, une... gilet là, je serais pas contre. Je descends doucement hein. Parce que on n'est pas très bien en termes de vie et de protection, donc on y va tranquillement, rien du tout ici. Il était pas mort lui. Voilà, là il est mort. Ah déjà lui, c'est bon. Il est bon. Tac, tac. C'est bon. Est-ce que si je prends le flingue, j'ai une exécution? Non. Bon, on va faire propre et nickel. Je pense que le message est passé. Ok. Ça on sait faire. Ok, il est là. Et voilà. Vous avez eu chaud, madame. Plutôt cool comme mission. Mr. A will be pleased. Ashville no more around. They are great. Tell him I'm not his fucking hitman, okay? That's not why I'm hanging with him. I am sorry, Mr. Hospitality Man. You do what Mr. Ray says. That's it. I see you soon. Stick your guitar up your fucking ass. La mission était plutôt cool, mais quand même assez ardue. En même temps, je suis pas bon. Oh, il me manque 2% pour la précision. C'est vraiment pas grand chose. C'est dommage. Mais ouais, pour le coup, j'ai vraiment joué la précision en mode on y va, manière à essayer de sécuriser la mission. Et bah, pour la peine, tu vas me donner ta voiture. Voilà. Comme ça, on va aller ici. On va aller acheter des munitions. Ah, des munitions, je sais pas s'il en a forcément. Free me, you savage. Hey, Louis! My man! How's things, bro? Not that great.
My father, he is a very passionate and angry and very disrespectful man. But listen, can you come and meet me at the construction site? I have something to discuss. Yeah, okay, man. I'll try to come by. Okay, Yusuf. D'autres missions pour nous. Et du coup, il va voir le flic ou... Non, ça a l'air d'aller. Mais on fera ça la prochaine fois. Parce que là, je pense qu'on va les faire plutôt Bulgarine. Je me dis, tant qu'on est en train de faire ces missions, autant toutes les faire. Et finir ce perso. Alors après, je sais pas si ça va forcément amener à la fin de ces missions. Ça, je ne sais pas combien de missions il y a par personnage et tout ça. Mais du coup, si on pouvait avancer là-dessus, ce serait pas mal. Comme ça, dans le prochain épisode, qui normalement va être le dernier, eh bien on pourra faire tout ce qui arrive. On pourra terminer d'autres personnages, Yusuf, avec Tony, on va récupérer Gracie. Et puis voir peut-être la conclusion de toute cette histoire avec Tony et ses gestions de boîte, ses dettes, etc. etc. Bon, pour l'instant, pas d'échec dans l'émission, c'est mieux que l'épisode précédent. Malgré le fait qu'il y ait eu un hélicoptère. Bon, c'était du gentil hélicoptère. Mais grosse fusillade, en tout cas aujourd'hui. Donc on va voir si la troisième est toujours dans le même ordre d'idées, dans le même acabit. Et si on réussit aussi bien. En tout cas, on arrive à remplir quand même pas mal de cases des objectifs pour une première tentative sans les connaître et tout ça. Donc c'est pas mal, il y en a certains même, on n'est pas très loin de les avoir. Donc c'est encourageant pour les faire à 100% de mon côté quand je m'occuperai des succès de GTA 4. Mais là il me faut par contre à tout prix de la vie. Donc il faut vraiment que je trouve un truc où manger. Alors oui, je récupère de la vie quand je vais me reposer chez moi, mais comme on n'était pas dans le coin, je me voyais mal faire le détour. Non, je croyais que c'était à manger ça, mais non. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut manger ici? Recherche de nourriture. Ah, là il y a un burger. Hop, on va aller prendre à manger vite fait. Et comme ça on sera bien pour cette mission. Bonjour madame. Hi, welcome to Burger Chat. How can I help you? Here you go. Quand même, les persos dans GTA, ils vont manger des burgers, mais à chaque fois, ils prennent juste un cheese. C'est tout. Je sais pas comment ils font. Moi, je peux pas. Hein. Alors. On y est, et cinématique. Ah, Mr. Lewis. Hey, where's the one-man band? He's working. Oh, okay. Ray! Hey, Ray! Have company, shut up! Don't tell me to shut up! So, I've heard from some people I know that maybe you have some diamonds for sale. Not me, my boss, Tony. My other boss. Yeah, yeah. You got them from the fat cook. Ray! Ray! What are you still doing here anyway?
I'll stay as long as I like. You think you're a big man? Where's your house on Middle Park East? Where's your big sports team, huh? Shut up, you can't! Shut up, you fucking cunt! Hey, man, is she okay? A big gun next to a big man, huh? Your thingy was tiny even before the wrestling coach make you take steroids. Mother always said she only had daughters. Ignore her, Luis. The diamonds, tell me. I gotta talk to Tony. You gotta talk to Daddy. I thought I was making you a real man, not a rand boy. Well, I can't sell what ain't mine, bro. And plus, with all the work I put in for you, I don't really feel like a man yet. Okay. Soon, man, soon. I want you to cover Timur's back. He's going to talk to some people. I need you there. Okay, man, I got it. But you should chill out, bro. Let me decide when to chill out. Go! Ok. Ça va rejoindre les diamants. Va au bâtiment et protège Timur. Timur. Et bien c'est parti. On y va, on y file. Et on va changer ça. Voilà. Ah, c'est bien ce que je me disais. Depuis le début de l'épisode, la caméra est beaucoup trop proche des véhicules. C'est peut-être le fait d'avoir pris la camionnette. Peut-être que ça change la caméra. En tout cas, on va faire ça. Alors, je sais que Bulgarine, c'est un nom qui est censé m'évoquer quelque chose. Mais j'ai du mal à le remettre dans l'histoire. Mais ça finira par revenir au fur et à mesure de faire ses missions. Et de voir les morceaux se raccrocher. Alors, où est-ce que tu es, toi? Bon, certainement en centre-ville, si on est à la bonne hauteur ici. Je me dis qu'on peut s'amuser avec ça, allez. J'imagine que ça va finir comme ça, donc. Hey. Yeah, what's up? I'm here. Yeah, okay. You're in position. Do you see a box in front of you? Yeah. Open it. Have you opened it yet? No, give me a sec. Okay, I'm here. Do you recognize that man? Shit! I believe you parted with him in a diamond deal. Yo, what the fuck? Is this the guy we bought the ice from? You colluded with him to steal from me. Yo, we just got some rocks off him, okay? Look, listen. No, you listen. I offered you an opportunity, yet you were plotting against me. Yo, I know shit about those rocks. But I believe it doesn't matter. I will do everything in my considerable power to drive you and your faggot master from this earth. Goodbye. Oh, shit! Fucking great! Ok, donc c'est lui, ok, ouais. C'est bon, je remets. On va se planquer. This ain't my time to die, motherfuckers. Et là. J'avoue, ça peut surprendre.
Il y en a un. Là. Là-bas. Aïe. Là-bas. Et un autre sur le sol. Ah, crie pas. Si, un petit peu. Oh merde. Vous croyez que je peux l'exploser avec les munitions explosives? En tout cas, il est motivé à me tuer, hein. Après j'ai ça aussi, oh, ça marche bien. Tiens. Ta tête. I'll make the first move if you want. Charge! We have them. Non. Il a explosé son pote. Il est mort lui. Ouais, j'ai l'impression. Je vais ramasser le gilet. Il va tranquille, hein. C'est pas évident. Bon les mecs, j'ai pas le temps. Pas le temps d'être gentil avec vous. J'ai pas un bon point de vue là. Oh, au-dessus. Bon, ce qui est bien avec cette arme, c'est du one shot hein, sur eux. D'autres qui veulent discuter. Apparemment, il y a quelqu'un qui tire. Ah là. Bon, je pense qu'il a eu son compte. Alors oui, hein, on peut faire ça beaucoup plus rapidement, beaucoup plus agressif. Vous savez, je préfère jouer à sécurité. On n'est jamais à l'abri d'un mec qui arrive dans ton dos et qui te défonce. Et on va essayer de s'en sortir. Normalement, ça devrait être bon. Il faudrait juste une voiture maintenant. Là-bas, je m'en vois une qui est garée, on va aller la piquer. J'imagine que le jeu attend qu'on soit suffisamment loin pour qu'on sait que c'est fini, mais là je pense qu'on est relativement tranquille.
pense qu'avec ça, on devrait pouvoir conclure la mission. Voilà. 80%, tir en pleine tête, il fallait en faire 10, j'en ai fait que 4 et le temps. Bon après, tir en pleine tête, 4 tirs, 4 snipers, ça c'était plutôt cool. Stolen off him in the first place. He cut that cook's head off, man. Long story short, he wants us dead. Poor old chef. What were you doing talking to these guys without me, Lou? Sorry, man. I fucked up. Kind of refreshing, though, for me to be the one getting us in shit for once. Don't you think? Yeah, a real relief. Pas ça? Non. Ah non, je vais arrêter d'essayer de passer dans des endroits... pas possible et je vais oui mais en plus je vais pas dans la bonne direction moi pas du tout en fait quoique si bah si non je sais pas bon c'est pas grave c'est pas grave je vais retrouver mon chemin tout seul comme un grand. Nous on va s'arrêter ici pour cet épisode qui sera du coup Domino. Je sens que ça va être ma meilleure prestation au pire. Ah oui, ok, ça c'était quand je faisais les trucs de danse et du coup j'ai eu des numéros, etc. Donc forcément il y a des plans cul qui se déclenchent. En tout cas, ce que je voulais dire, voilà, on en a fini. En tout cas pour travailler avec Bulgarine, peut-être pas contre Bulgarine, ça c'est certain, mais en tout cas on a fini de travailler avec lui. Et puis la prochaine fois, donc ce sera l'épisode final. On fera les 4 dernières missions à la suite. On ira d'abord voir Youssouf, puis Tony, et puis après on verra quelles sont les 2 dernières missions qui nous restera à faire. Sachant que pour vous ce sera le dernier, mais pour moi il me restera encore à tourner l'épisode des missions perdues. Donc c'est un peu étrange, ça va être un peu étrange demain. Bah demain, oui, demain pour moi. Demain de... Lorsque je vais enregistrer le prochain épisode, de parler comme si c'était le dernier, alors que... pas vraiment pour moi, mais... Mais vous inquiétez pas, je m'en sortirai, hein, c'est pas très... très important. Sur ce, je vous laisse, j'espère que l'épisode vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite et fin des aventures de Louis. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine.